Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo haul Primark. Oui, encore une, j'en suis désolée. Mais voilà, j'y suis retournée avec ma copine Mélanie parce que j'ai vu un truc sur Facebook qui m'intriguait, que je voulais absolument avoir. Et du coup, j'y suis allée juste pour ça. Mais bien sûr, j'ai craqué pour d'autres choses. Parce que Primark, je crois qu'on peut pas y aller sans craquer pour 2-3 trucs. C'est un peu comme Action, on va vous dire. Je vais vous montrer tout de suite l'objet de ma venue chez Primark. Vous êtes nombreux, je pense, à la rechercher parce que chez Primark, il y avait les tasses Zip que j'avais eues grâce à ma copine Virginie. Elle m'en avait acheté une que j'ai offerte. Bref, c'était tout un limac. Et j'en avais une aussi par Mélanie de la chaîne Happy Together 17. Oula, ma voix par cacahuète. Qui m'a offert la tasse Zip lors d'une Friends Box. Je vous remettrai le lien ici. Du coup, moi, je voulais absolument pour aller avec la tasse, la théière. Et ici, elle est en porcelaine. Elle n'est pas en plastique. Elle coûte quand même 8 euros. Hein. 8 euros et c'est une tirelire en fait à la base. Donc voilà, elle est pas donnée, mais elle est trop belle. D'ailleurs, je vais vérifier. Hein. Je l'ai même pas ouverte. La voici. C'est vrai qu'elle est super jolie. Vous avez l'ouverture là. Elle est trop belle. Elle est vraiment jolie. Ils font vraiment des jolies choses à Primark, mais j'avoue que quand même 8 euros. Hein. Bon, après, vous allez me dire, je vais pas me plaindre, hein. Il y en a qui n'ont pas de Primark, du coup, qui n'ont pas la chance de la trouver, mais je suis quand même contente. Donc, c'est Madame Sanovar, je crois qu'elle s'appelle, hein. Je suis même pas sûre, faut que je regarde la belle LES, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Pour ma fille, j'ai trouvé chez Primark aussi des trucs Peppa Pig soldés. J'ai essayé de prendre que des trucs soldés, hein, vous allez voir. Mais mis à part la théière, voilà, tout le reste était quasi soldé. Donc Peppa Pig, en fait, je suis pas hyper fan de Peppa Pig, mais ma fille, elle adore dès qu'elle voit Peppa Pig. Elle a Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig. Alors, voilà. Donc, je me suis dit, des petits coloriages, c'est toujours sympa, ça va, ça reste à la maison. Voilà, c'est plutôt cool. Et du coup, celui-ci était à 50 centimes, avec des stickers et tout. Et celui-ci aussi à 1 euro avec des stickers et tout. Donc elle va être contente, j'avais envie de penser à ma petite louloute, puisqu'elle est pas là, elle est chez sa mamie, donc j'ai envie de penser à elle. Pour ma copine Mélanie, hein, je vous le montre parce que voilà, elle était avec moi quand je l'ai acheté. Je lui ai pris ça, donc un pyjama avec le short, avec des pandas et le petit débardeur comme ça avec des pandas aussi. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Donc, I don't do morning. Oui, bah oui, qui aime se réveiller le matin, hein. Donc voilà, il coûtait 5 euros l'ensemble, donc ça reste tout à fait raisonnable. Ensuite, j'ai trouvé cette petite merveille-là à 1 euro au lieu de 2 euros pour accrocher à la porte, là. Je trouve ça trop joli, même juste pour faire des photos Instagram, etc. C'est trop, trop sympa. Un set de papeterie comme ceci avec des punaises, des grands trombones, des... comment ça s'appelle ça? Je sais pas, des sortes d'accroche-papier avec, vous avez vu, du marbre et tout. Je suis pas fan du marbre, mais là, je trouve ça sympa. Et des trombones blanches, voilà, pour 1 euro au lieu de 2,50 €. J'ai pris ces bracelets là, bon, l'étiquette s'est barrée je ne sais pas où. Ils sont trop jolis, je trouvais que les couleurs étaient trop tendance et tout. Et je crois qu'ils étaient chers quand même, ils étaient à 4 euros. Je sais plus, autour de 4 euros, mais c'était pas donné. D'ailleurs aujourd'hui j'ai acheté pas mal de bijoux, c'est assez rare chez moi. Ensuite toujours en papeterie, j'ai acheté ce petit espèce de donut quand même avec des trombones etc. et des punaises. Ils sont trop mignonnes, la bleue et rose, et c'était 1 euro au lieu de 2,50 €. Toujours en papeterie, la fille qui a craqué après exemple au rayon papeterie. Ces petits stylos, crayons à papier, etc. La règle pour 1,50 €. Voilà le petit lot, je trouvais que c'était trop mignon, trop piquant, la poule gold. Je trouvais ça plutôt pas mal. Il y avait même des... comment ça s'appelle? Des carnets à 1 € au lieu de 3,50 €. 3,50 €, clairement, j'aurais jamais acheté. 1 € ça reste raisonnable. Il reste hyper dur hein, à ouvrir et à tourner. Mais voilà, il était plutôt mignon. Alors, je sais pas si je le garderai pour moi ou pour l'offrir. Je verrai bien ce que j'en fais. Ensuite, pour 2 € au lieu de 4 €, j'ai pris ce joli collier. J'ai trouvé trop trop joli. J'aime beaucoup ce style de collier. Donc voilà, à moitié prix, ça valait le coup. Toujours en collier, mais j'ai trouvé trop mignon aussi. Alors, est-ce que je vais réussir à le remettre bien? Voilà, j'ai réussi à le remettre bien. Ce joli collier, regardez, il est assez fin, assez raffiné, mais j'aime beaucoup, à 1 € au lieu de 2 €.
Donc il était pas cher, non, 1€ au lieu de 3, pardon. Donc il était pas cher à la base, mais voilà, 1€ ça vaut le coup. Moi en fait, quand il y a écrit 1€, c'est ce que disait Vélénie, je prends quasi direct. Et toujours un joli collier qui me faisait bien envie aussi, à 2€ au lieu de 5. Regardez-moi cette merveille, avec un haut noir ou même avec ça. Oh, faut que je ressorte mes colliers un petit peu, que j'en mette un peu plus souvent parce que j'ai tendance à les ranger et après j'oublie. Et pour finir, j'ai acheté ça pour ma fille. Je lui achète tout souvent des lunettes. Voilà, des petites lunettes de soleil avec des ananas. Je trouve qu'elles étaient trop mignonnes pour elle. Donc voilà, pour ma crapouillotte, ça va lui plaire, c'est sûr. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, j'ai acheté ça aussi, des sortes de petits bas là. Juste en fait parce que je voulais tester avec des ballerines. J'aime bien mettre des ballerines comme ça quand c'est pas très beau, mais qu'il pleut pas. Voilà, alors je voulais tester ça avec des ballerines, voir comment ça rendait. Ça se trouve, ça va être très moche, je sais pas, je vais voir. Et pour mon fils, à Orchestra cette fois-ci, toujours à moins 40%, je lui ai acheté une espèce de petit hocher, là, comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, avec une pince, parce que je voulais pouvoir l'accrocher en fait sur la poussette pour qu'il puisse y jouer quand on est en balade. Et je suis contente d'avoir trouvé parce que j'ai du mal à en trouver des sympas et tout, un petit singe comme ça, et tout à l'heure je lui ai mis, il était super ravi. Super content, donc voilà, pour 8€ au lieu de 14 chez Orchestra, donc 13-14€, c'est quand même pas donné. Hein. Donc voilà pour mes trouvailles chez Primark, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez fait des trouvailles hyper intéressantes chez Primark. Je vais aller tout de suite m'empresser de faire une jolie photo avec ma petite théière et ma petite tasse. Et puis je vous retrouve très très prochainement dans une autre vidéo. Salut salut !